pouvez regarder les écrans géants. Il y a pratiquement 10 ans, en juillet 2005, je me trouvais sur le quai de la gare Matabiau pour y accueillir en provenance de Béziers un jeune homme d'à peine 21 ans et grand espoir du rugby français. 10 ans plus tard, ce jeune homme et ce grand espoir a fait un sacré chemin. 40 sélections en équipe de France pour laquelle il a inscrit 5 essais. Aujourd'hui, il est rentré sur le terrain en championnat pour la 198e fois. Il a marqué 19 essais en championnat. 58 matchs de Coupe d'Europe et 7 essais. Champion de France 2008, 2011, 2012, champion d'Europe 2010. Il va porter notre couleur la saison prochaine, mais pour nous, il sera toujours stadiste, Toulousain un jour, Toulousain toujours. Mesdames, Messieurs, Monsieur Yannick Nenga. Combien 256 matchs officiels avec le Stade Toulousain. C'est pas mal. 3 titres champion de France, 1 d'Europe, 40 sélections. Que retiendras-tu de tes 10 ans à Toulouse? Merci à tous déjà pour tout le soutien dont vous avez fait preuve pendant ces 10 ans. Moi, ce que je retiendrai, c'est les amitiés que j'ai faites ici. Les personnes que j'ai rencontrées, les coéquipiers en premier lieu, parce que franchement, je pense qu'on a lié bien plus que des liens de coéquipiers. Voilà, il y en a beaucoup qui sont mes amis. J'espère que vraiment ça ne va pas s'arrêter au Stade Toulousain. On va être amis pendant longtemps encore, j'espère. Et voilà, et puis le public, la ville de Toulouse, franchement, ça a été vraiment difficile de partir. Mais bon, je garderai un lien parce que c'est pas possible de quitter comme ça. Et merci à tous encore. Yannick Nenga. Voilà, et on se retourne vers les écrans. Thank you.
Merci Ali. Mais la saison n'est pas encore terminée, puisque nous aurons un match de barrage ici au Saint-Denis. Voilà, je crois que bien les joueurs vont faire le tour d'honneur avec les deux joueurs qui nous quittent. Mais souvenez-vous que depuis la 28e minute, où ils étaient menés à 14, ils sont allés chercher la victoire. Et ça, je crois que c'est la plus belle des choses qu'ils pouvaient offrir à Yannick et à Yannou.